Je lui ai dit qu'elle avait la tête en 7 ans. Tu la suis. Genre, le truc horrible. Comme ça, on voit bien les gars. C'est l'idée. Je vous êtes trop soft. Mais j'aurais aimé que ce soit plus soft ce matin, oui, c'est vrai. Pour la faire courte, parce que j'ai pas le droit de tout dire, je pense que vous en doutez. J'avais clairement l'impression que j'avais vendu de la drogue ou je sais pas ce que j'avais fait, mais j'étais en mode j'ai rien à me reprocher, mais je me sentais vraiment dealeuse de drogue ou je sais pas. Genre, j'ai direct enfilé mon jog, je suis allée les voir, ils étaient trois et ils m'ont dit bonjour, gendarmerie, etc. Et j'étais en mode genre vraiment, j'avais la tête dans le cul. Je vous jure, le matin, Annie, il faut pas qu'il me parle parce que je lui réponds pas. Mais là, j'étais vraiment en mode, mon cerveau, il cherchait trop loin ce qui pouvait s'être passé ou quoi. Je comprenais juste pas. J'arrivais pas à venir sur un sujet en particulier. Et là, il me dit qu'en gros, il faut que j'aille à la gendarmerie pour porter plainte, moi, donc en personne, parce que je l'ai fait par l'intermédiaire de mon avocate sur un truc qui m'est arrivé et qui, je l'espère au plus profond de moi, sera puni. Donc voilà, je peux pas vous dire pourquoi, mais en tout cas, c'était le petit réveil matinal sympa. Les filles et les garçons qui portent des tailles hautes, est-ce qu'on peut normaliser le fait d'enlever le bouton et même de descendre la braguette? C'est juste un enfer quand ça te cisaille le bide, t'es obligé. Que ce soit au restaurant ou autre, hein, on s'en fout, faut le normaliser. Bon, du coup je m'en vais faire un petit tour dans un centre commercial toute seule. Ça aussi faut le normaliser, c'est pas grave, n'attendez pas après les autres. 2022, on n'attend plus après les autres pour faire des choses, je vous le dis. Moi j'ai trop attendu, je me suis trop rendue triste plein de fois. À essayer de voir des potes que j'arrivais pas à voir, etc. Je parle en règle générale dans tout au long de ma vie, hein, pas de cas particulier. Et où des fois j'avais envie de sortir et je sortais pas parce que mes potes étaient pas dispo, bah là je sors parce que j'ai décidé que j'allais sortir. Et avec moi-même, ça va être cool. Bon, du coup, je vous fais un petit haul de mes achats chez Nature et Découverte. Je pense que c'est bien représentatif de ma vie actuellement. L'art de ralentir, vous pouvez être ce que vous voulez être. Hâte de voir. Et les livres des décisions. Yeah, je suis en train de ranger tes bêtises et tu marches dedans. Regardez ça. Mais ça va pas la tête ?